Corinne Couturier. Honneur. Je suis à la retraite maintenant. Et j'ai été vigneron pendant 40 ans. Depuis 1984, je suis toute seule à la tête du domaine. Et Laure m'a rejoint en 93. Maintenant, c'est à elle de continuer. Le domaine, moi je suis la cinquième génération sur le domaine. Et puis mes enfants sont là, donc ça fera la sixième génération. C'est le domaine familial, du coup, on est sur une petite quarantaine d'hectares. On est sur plusieurs terroirs, donc Plan de Dieu, Kéran et Rasco. Donc Plan de Dieu de par mon papa, qui a aussi qui vient d'une famille de vignerons. Et après Kéran, parce que ma grand-mère c'est Kéran et mon grand-père de Rasco. Cuvée d'ailleurs qui sera pour ma mère en honneur, cuvée Abel Charavin, c'est son nom. C'est le blé de Rasco. Mais la belle charavée, on le fait que sur un terroir. C'est les plus vieilles vignes de l'exploitation et c'est un parcellaire pratiquement. Pas encore de pied, quand même au moins 80 ans. Le gratin de pommes de terre de Mme Jeannette, c'est la grand-mère qui le faisait. Et après, des saucisses au vin. Donc, et tous les ingrédients viennent soit de nos jardins, soit de la petite épicerie de Kéran où il y a beaucoup de produits locaux. Et en plus, lui, il est resté là. Et la viande, bien, on la prend chez Gilles, chez Gargantua. Des oignons doux et des oignons simianes, c'est quand même bien la saison, alors c'est encore mieux. Du thym du jardin, du sel, du poivre, de l'eau et des pommes de terre. Voilà, les saucisses au vin, par contre, là, il faut faire une marinade, un jour ou deux avant. Alors c'est bien de cuire dans une cocotte en fonte, parce que la cuisson se fait mieux que si on fait dans une pan. Donc on met des queues de persil, parce que quand on a du persil, on ne jette pas les queues, c'est plein de bonnes choses, et puis plein de goût. Donc queues de persil, gousses d'ail, bouquet garni, ventelle, laurier, un oignon piqué de petits girofle, une carotte, voilà, et puis on couvre avec du vin rouge. Il faut que ça couvre vraiment. J'ai mis deux bouteilles pour le vacheter. On le laisse un jour ou deux, c'est encore mieux au réfrigérateur. Et après, on le fait chauffer tout doucement. On commence par les oignons parce que les oignons, on va commencer à les mettre à rissoler tout doucement à l'huile d'olive. Il faut qu'ils dorment, mais il ne faut pas qu'ils brûlent. Et il faut qu'ils soient un peu confits. Donc on met de l'huile d'olive, c'est l'huile d'olive de la maison. Du poivre. Du sel. C'est tout bête. Hein. Simple, c'est bon. Voilà, du thym du jardin. C'est important le thym. Est-ce qu'il y en a assez là, tu penses? Non, tu peux le faire. Voilà, pendant que l'or va finir. Et là, on va les laisser revenir tout doucement. Pendant ce temps, on va pouvoir finir de couper les pommes de terre. On les fait cuire pour que ce soit plus joli après les pommes de terre. On les ouvre un peu là, on les sépare. Hein. Pour que ça fasse des jolies rondelles. Ça sent bon et c'est juste que ça blondit et voilà, là ça commence à être intéressant. Voilà. Alors là, on peut mettre les pommes de terre. Donc là, c'est là où on baisse le feu et on mélange une première fois, on mélange bien. Après, on prend de la farine, toujours comme chef à Kéran, et on saupoudre légèrement, on peut pas beaucoup, mais voilà, une cuillère à soupe, deux cuillères maximum, ça dépend si on vient. On en faut un peu, mais pas de trop non plus. Il vaut mieux en rajouter un peu plus tard que... On retourne une fois. Voilà.
Et là, on le laisse mijoter tout doucement. Là, il y a tous les ingrédients qui ressortent, hein, les carottes, les oignons piqués du petit girofle, le thym, le laurier, le petit céleri. Et voilà, le queue de persil. Donc là, on va le mettre, on va le remettre à chauffer pour pouvoir faire la queue de persil. Alors, il faut toujours cuire doucement. Alors, on prépare pour le jus des saucisses, voilà, je l'ai préparé là. On prépare du beurre, du sel, du poivre et un petit peu de farine. Qu'on va bien, touiller. Alors, pareil, ça dépend si on veut une sauce bien épaisse ou pas. Mais... Bon, il faut que le beurre soit bien remoulé. Tiens, là, qui ont pris la belle couleur du vin. Alors, au vendange, on fait ça, mais avec du mar de raisin. Ben, ça aussi, c'est un peu grand. Et puis, alors, avec cette sauce qu'on a là. Tu veux que je tourne en même temps? Ah, ben si tu veux, ça m'arrange pas. Voilà. Parce que ça, la sauce, elle peut se réchauffer quand même, mais toujours tout doucement. Hein. Voilà. Voilà. Donc il n'y a plus beaucoup de jus, tout est confit. C'est ça l'idée. Voilà. La vieille parcelle, c'est Abel qui l'avait plantée d'ailleurs. Non, c'est son parent appelé Abel. Ah ok. Donc c'est vraiment la plus vieille parcelle. Et il y a un petit peu de bourvèdre avec, 30-35% de bourvèdre. Il reste en vieux grenache. Donc c'est un grenache assez épicé, et ça va bien avec. On a choisi de mettre avec ce plat parce qu'il y a le côté un peu épais de la sauce avec le côté un peu généreux du vin. Alors on égrappe en grande partie, en général. C'est vendange manuel, on est d'accord, pour la totalité de l'exploitation d'ailleurs. On égrappe, on repasse en table de tri, on égrappe, on encuve, on fait des remontages, c'est cuve béton. On fait des remontages, voilà, deux fois par jour, au début, moyen après, enfin ça dépend des années, ça dépend. Ensuite on décuve, on assemble les jus de presse et les jus de goutte. Et voilà, on a donc ce fait. Voilà. On n'a pas de bois, c'est pas notre goût. J'aime le côté aussi quand il y a du fruit dans le vin, qu'on a ça, de la gourmandise et qu'on a envie d'y revenir. C'est mon goût et mon choix. C'est une culture biologique depuis des années, parce qu'on ne désherbe pas depuis des années, on n'est pas d'insecticides. C'était plus dans la philosophie, c'était pas pour surfer ni sur la mode, mais c'était une façon de voir les choses. Mais on s'est aperçu que les gens avaient besoin d'avoir un repère, un label, même si je marquais derrière l'étiquette, je le précisais, mais je n'avais pas un label. Ça rassure les gens. Mmh. Et ça nous, on est HVE aussi depuis, on avait commencé par HVE depuis l'année dernière, on est en HVE. Et puis on a décidé de faire la démarche quand même, de signaler quelque part, puisqu'on l'était, mais de signaler qu'on était en agriculture biologique.